My name is Peter Singer. I'm the Chief Executive Officer of Grand Challenges Canada. And very proud to be Et here. C'est pour moi un honneur que d'être ici parmi vous. Au nom de tous les membres du panel et au nom de tous les invités, nous souhaitions vous remercier, Ismaël, pour avoir réussi à rassembler tous ces orateurs dans le cadre de ce séminaire. Vous êtes ici et je voulais vous remercier et vous féliciter pour cette chaire au Collège de France et pour tout ce que vous faites pour essayer d'abolir la faim, de mettre un terme à la faim dans le monde. L'une des raisons pour lesquelles j'ai dit tout cela, c'est d'abord parce que c'est vrai et ensuite parce qu'on va un petit peu s'écarter du scénario et donc on préfère qu'Ismaël ne se fâche pas trop avec nous. Je vais donc commencer par vous présenter les membres du panel. Complètement à gauche, Bunker Roy, qui est fondateur, directeur du BF College en Inde. À côté de lui, Ashok Khosla, président de l'IUCN, et à ma droite, Yolanda Kakabatse, présidente de WWF International, et à droite de Yolande Mahmoud Sol, directeur général de l'ICARDA, qui est un centre international de recherche agricole dans les zones désertiques. Nous allons reprendre la discussion pour parler de quelques menaces. Et comme dans le dernier panel, nous allons essayer de nous concentrer sur des exemples concrets. Vous avez là des hommes de terrain et des femmes de terrain, donc nous espérons qu'ils pourront être concrets, nous parler de bonnes pratiques, décrire les choses en détail et identifier les points d'étranglement, les goulots d'étranglement. Nous allons également parler des ONG et des réglementations. Nous avons été témoins de ce qu'ont fait des gens comme Peter Byers depuis 10 ans et je suis totalement d'accord avec leur approche de la réglementation. D'un autre côté, certains des commentaires qu'ils ont faits sur les ONG ne sont pas forcément ce que vous, vous diriez, cher ami, en tant que président d'une grande ONG internationale. En Inde, vous avez beaucoup d'entrepreneurs sociaux comme la personne qui est ici assise à ma droite et ils ont inventé l'entrepreneuriat social avant que l'entrepreneuriat social ne soit inventé au niveau international. Et vous savez ce que font ces entrepreneurs sociaux? Eh bien, ils brisent le consensus et ils vont contre les tendances. Et l'une des tendances contre lesquelles ils s'inscrivent, c'est que si quelqu'un, et c'est ce que nous allons entendre tout à l'heure. Maintenant, si vous aviez des questions à poser, n'hésitez pas, gardez-les pour la fin. Nous allons nous écarter du protocole de plusieurs manières. Et l'une des choses dont vous allez vous souvenir, c'est que si quelque chose dérape, ce sera de la faute de Bunker. Alors, vous répétez. C'est de la faute de Bunker, exactement. Donc, si nous nous écartons du protocole, si nous mettons à mal la sensibilité du Collège de France, rappelez-vous qu'on parlera d'entrepreneuriat social et que, de toute façon, ce sera de la faute de Bunker. Nous allons également parler des aspects multisectoriels, ce dont on a parlé tout à l'heure, parce que certains de mes collègues vont parler d'énergie, du changement climatique, ils vont parler des emplois et de différents points sans doute plus indirects, mais qui sont très importants si l'on souhaite mettre un terme à la faim. Et vers la fin, s'il nous reste du temps, nous essaierons de mettre à jour quelques actions concrètes qui nous permettront d'agir. Vous savez que dans le cadre du G20 présidé par la France, il peut y avoir des opportunités, donc nous prenons toutes les approches concrètes. Et nous parlons de toutes les DGN et nous confronterons toutes ces idées. Donc pour démarrer, quelques exemples concrets et peut-être Mahmoud, puis-je me tourner vers vous pour vous demander, car vous avez de l'expérience
dans le domaine du rendement agricole, de la productivité agricole, et notamment dans les zones désertiques et dans les zones sèches. Est-ce que, en deux minutes, très rapidement, vous pourriez nous donner un exemple concret de quelque chose que vous faites et qui fonctionne, qui est un exemple de bonne pratique et que vous souhaiteriez partager? Il conviendrait de demander à ce monsieur de bien vouloir allumer son micro, s'il vous plaît. Eh bien, lorsqu'on parle des petits agriculteurs, on parle de personnes qui produisent plus de 80% de la production alimentaire dans les pays en développement. Et donc, il est très important de travailler pour eux. Et dans les zones sèches, arides, on a plusieurs groupes équipes qui ont travaillé sur le terrain et notre vision est d'améliorer le niveau de vie dans ces terres arides. Donc on parle d'amélioration de la vie des gens plutôt que de simplement amélioration des rendements. Donc il y a là une notion de valeur ajoutée qui est très importante parce que c'est ce qui permet d'augmenter les revenus de ces agriculteurs. Les zones arides sont des écosystèmes très fragiles, comme vous le savez tous, et donc nous devons suivre une approche écosystémique au niveau des interventions lorsque l'on veut augmenter la productivité de manière durable. Bien entendu, les ressources sont très rares, notamment l'eau. La rareté de l'eau est un problème, la désertification en est un autre, et quant au changement climatique, il rend la vie encore plus difficile dans les zones arides, car on a de plus en plus de pluies violentes suivies par des périodes de grande sécheresse. Donc nous allons aborder tout cela selon deux angles. Nous allons étudier les écologies à faible potentiel et les zones, quand on parle de zones à faible potentiel, on parle de précipitations inférieures à 200 mm, en général de 1 à 20 mm. Et pour ces systèmes de production, on ne parle pas d'intensification, on parle d'augmentation de la flexibilité, de la résilience du système de production. Et dans ces zones, vous avez de petits ruminants, des moutons, des chèvres qui sont un revenu très important pour les fermiers pauvres. Donc un projet a commencé en 1990 pour le développement de l'intégration de systèmes de production, de récolte et d'élevage de petits ruminants, et ça a commencé en Asie, ça s'est déplacé en Afrique, puis maintenant cela passe en Amérique latine parce que l'approche a été tout à fait réussie. Il s'agit d'une approche communautaire parce que les communautés sont très importantes dans le processus de prise de décision. Et c'est à elle de décider quelles sont les meilleures technologies. Dans ce projet, on a proposé plusieurs technologies nouvelles, notamment la gestion des semences, le stockage des animaux. On a intégré la production de fourrage, d'orge, de cactus, qui a été introduit depuis l'Amérique latine vers l'Afrique du Nord et vers l'Asie occidentale, parce que c'est une très bonne source de fourrage pour les animaux et qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Toute la dimension socio-économique était présente pour cette approche intégrée qui a fait participer plusieurs parties prenantes, les communautés locales, mais également le public, le secteur public, les ONG et plus tard également le secteur privé. Nous avons étudier de nouvelles sources alimentaires pour proposer des aliments à partir des sous-produits de l'industrie agroalimentaire. Vous allez vers une usine qui produit par exemple du jus d'orange, et bien tout ce qui sort de là en tant que déchet peut être utilisé comme source d'aliments pour les animaux avec une adjonction de molasses et d'additifs et qui peut ensuite être redistribué aux petits agriculteurs. Et en Tunisie par exemple, tout ceci
est produit à grande échelle par le secteur privé qui utilise tous les sous-produits de l'agroalimentaire, notamment du pressage des olives, du pressage du raisin, etc. Donc c'est tout un domaine de production non traditionnelle. Et tous ces systèmes ont permis d'améliorer le niveau de vie des fermiers. Je vous ai cité un exemple. On reviendra à votre deuxième exemple tout à l'heure, mais comment savez-vous que ça a réussi, Mahmoud? Eh bien, ça a réussi parce que ça s'est déplacé d'une communauté à une autre. Ça a été copié avec très peu d'interventions. Et vous savez que les communautés pastorales dont on parle sont des gens très intelligents. Ils savent ce qui est bon pour eux, ce qui est économique pour eux. Et le côté merveilleux de tout cela, c'est que certaines des techniques de récolte ont pratiquement disparu. Et vous avez des fourrages qui sont maintenant produits grâce à des tracteurs guidés par laser qui plantent les buissons pour qu'on économise au maximum l'eau. Donc on plante sur des micro-nappes phréatiques qui permettent de faire pousser ces plantes. Et même après 4 années de sécheresse, ces buissons continuent à pousser. Donc la duplication, c'est un indicateur de réussite, et les revenus et les conditions de vie des gens. Quand on regarde, je suis désolée de le dire, mais leur façon de s'habiller, leur maison, l'état de leur maison, tous les indicateurs de pauvreté qui démontrent qu'ils ont de meilleurs revenus. Est-ce que l'approche est nouvelle ou est-ce que le succès dépend de la mise en œuvre? Eh bien, je dirais que c'est le cas le plus réussi. C'est là qu'il faut reconnaître le rôle des donateurs qui ont soutenu le projet. Et l'un d'entre eux est présent dans la salle, le Fonds arabe. Et il faut également reconnaître le rôle des communautés qui a été clé. Et c'est le seul projet qui a été mené et qui se soit en plus amplifié d'une troisième phase, mais qui a été décidé entièrement par les communautés. Donc pour moi, le rôle des communautés a été un élément essentiel. Nous avons aidé, facilité les choses au départ, puis les communautés ont pris possession de ces plans d'action et ont travaillé par elles-mêmes. Et je pense qu'il est très important d'insister sur l'implication des communautés locales dans ce type d'action. Merci Mahmoud. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure et nous allons sans doute te parler plus précisément du rôle des communautés parce que tout le monde en parle. Donc il doit y avoir quelque chose dans votre étude de cas qui, au niveau de la mise en œuvre, qui vous a permis d'atteindre le succès. Maintenant, je me tourne vers vous, Yolanda. Je vous ai écouté très gentiment tout ce qui a été dit et bien entendu, vous devez être en accord avec le fait qu'il faille faire des réglementations basées sur les faits. Vous avez été ministre dans votre pays, mais vous avez également entendu tout ce qu'on a dit sur les ONG. Donc, d'après vous, est-ce qu'il y a des bonnes ONG, de mauvaises ONG, et que pensez-vous de la discussion qui a eu lieu hier sur le rôle des ONG? Est-ce que vous êtes 100% d'accord ou y a-t-il des choses que vous souhaitiez ajouter? Eh bien, s'il y a de bons banquiers et de mauvais banquiers, de bons avocats et de mauvais avocats, de bons économistes et de mauvais économistes, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de bonnes ONG et de mauvaises ONG? Je pense que c'est évident. Et les ONG ne sont rien d'autre que le reflet de la société. Mais elles ont un rôle absolument fantastique à jouer. Et nous avons bien entendu constaté une évolution. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, dans ce 21e siècle, ce sont des organisations qui véritablement sont aux commandes d'une approche multisectorielle, qui promeuvent cela et qui traitent de problèmes multisectoriels, qui essayent d'élargir le débat. Et c'est là l'un des intérêts majeurs des ONG, ce qui en fait leur grande valeur.
Ceci signifie, enfin, le conflit que nous avons aujourd'hui, et j'y reviendrai tout à l'heure, je pense que c'est vous qui avez parlé des ONG qui luttent contre les OGM et qui attaquent tout et qui manquent d'informations. Oui, oui, oui. Nombre d'entre elles ne disposent pas de suffisamment d'informations. Mais ce qui est important, c'est que ces ONG un peu radicales parlent de ces problèmes. Sinon, personne n'en parlerait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on en parle, tout à coup, il y a des gens qui ont des propositions. Tout à coup, d'autres parlent d'opportunités, donnent des éléments à la discussion, permettent d'analyser des situations plus difficiles. Lorsqu'on gère les problèmes et permettent donc de gérer les problèmes de ce point de vue multisectoriel. Qui, un jour, a eu l'idée de certification? Ou qui a eu l'idée, un jour, des tables rondes? C'était les ONG. La certification des poissons, la table ronde sur l'huile de palme, sur le soja. Tous les débats multisectoriels dans le monde d'aujourd'hui ont été mis en avant, poussés, dirigés par les ONG. Donc, pour moi, il s'agit là d'une opportunité absolument extraordinaire que nous devons saisir parce que cela implique les gouvernements, le secteur privé et cela implique également les communautés. Maintenant, dans cette implication des communautés, et je souhaitais là faire référence à ce que nous disait Norman lorsqu'il nous parlait de la production du riz et de l'augmentation des rendements, je suis sûre, Norman, où êtes-vous? Ici. Je suis certaine que ce prêtre malgache n'a pas inventé la manière d'obtenir un meilleur rendement du riz. Je suis sûre qu'il a trouvé la solution auprès de personnes dans la communauté qui avaient fait cela pendant des années, mais qui n'avaient pas été dans une position qui leur permette de répandre la bonne parole. Et ce qu'a fait ce prêtre, c'est qu'il a trouvé cette information et qu'il l'a disséminée, qu'il l'a partagée et qu'il l'a dupliquée. Et passer du niveau de la communauté au niveau du gouvernement, c'est la grande capacité des ONG, c'est ce que nous savons faire. Et bien entendu, c'est là quelque chose que je défendrai. Norman opinait du chef quand vous étiez en train de parler et Philippe est là. Philippe a parlé de réglementation basée sur les faits, je mets ça entre guillemets. Et il a fait un plaidoyer très passionné contre les réglementations en disant combien cela avait ralenti la science. En tant que ministre, vous avez sans doute passé votre vie à défendre le principe de précaution. Est-ce que ce principe de précaution, c'est le reflet de ces réglementations basées sur les faits? Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Eh bien, Peter, j'ai, et il y a quelques années, j'avais le profil type du décisionnaire. C'est-à-dire que je ne connaissais rien. Je ne connaissais absolument rien au concombre des mers et à son processus de reproduction dans les Galapagos. Et il fallait que je décide du nombre de tomes de concombre des mers qui allaient être pêchés et vendus sur les marchés d'Asie du Sud-Est. Donc, j'allais rencontrer les scientifiques et personne n'était en mesure de me dire comment se reproduisait le concombre des mers. Et là, on était en train de discuter d'une zone protégée, fantastique, les Galapagos, où si vous détruisez une seule espèce, c'est toute la chaîne qui est affectée. C'est la même chose partout dans le monde, mais on s'en rend compte encore plus dans un écosystème aussi fragile que celui des Galapagos. Donc, je dirais que les scientifiques, la science, c'est un outil qui n'est pas forcément à la portée des décisionnaires, qu'ils soient ignorants ou pas. Mais quand vous devez prendre une décision qui doit être prise sous 24 heures, vous avez besoin d'informations là, maintenant, tout de suite. Et la communauté des scientifiques, j'en suis désolée, mais n'a pas construit les capacités qui lui permettent de traduire sa connaissance extraordinaire en langue politique ou en langue humaine, qui permettent de prendre des décisions.
parce que le citoyen lambda assis dans cette salle ou en train de marcher dans la rue ou qui prend des décisions n'est pas en mesure de comprendre 200 pages de documentation et de traduire tout cela en politique et en décision politique. Et ça, là, il y a vraiment un écart de traduction et d'explication. Et quand on parle de science et de politique, il faut absolument résoudre ce fossé. Je voyais beaucoup de gens opiner du chef quand vous étiez en train de parler. Vous êtes en train de nous dire que le principe de précaution remplit le vide parce qu'il n'y a pas de dialogue entre les décisionnaires et les scientifiques. Absolument. Absolument. Moi, en tant que politique, je n'ai pas envie de prendre de risques pour ma population. Je ne vais pas prendre le mauvais chemin. Donc, principe de précaution, je reste en retrait. Et ça, ça se passe dans beaucoup de pays, dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest. Et bien entendu, dans nos pays en développement, cet écart est encore plus important, ce fossé est plus important, sauf si on descend au niveau des communautés. Est-ce que dans ce que vous faites, vous contribuez à l'abolition de la faim? Oui, c'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs. Je travaille pour une entreprise dont le boulot, c'est le développement. Une entreprise sociale, c'est un cadre institutionnel qui essaye de financer ses travaux par ce qu'il fait, plutôt que par des méthodes de Robin des Bois, en demander de l'argent aux riches pour le dépenser chez les pauvres. Nos clients sont des clients très très pauvres. Quand ils ont de la chance, ils gagnent 2 dollars par jour, c'est-à-dire moins de 2 euros par jour. Les coûts qui sont les nôtres pour sortir nos produits et nos services sont déterminés par l'économie internationale, les gens qui sont recrutés, les coûts des transports, des équipements, etc. Et on paye plein pot. Donc il fallait bien que je comble le fossé, là. Et le fossé, on ne peut pas le combler. Et c'est la raison pour laquelle les multinationales ne se mettent pas sur ce créneau, sauf si vous avez des volumes énormes. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, de toute façon, le problème est un problème de chiffres. On ne parle jamais à des niveaux inférieurs à 1 milliard. Quand vous parlez de pauvreté, de misère, de faim, d'eau, de gens qui n'ont pas de logis, ça affecte 2,5 milliards de personnes. Donc, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir mettre en place de mécanismes pour traiter tous ces cas. Donc c'est très gentil de raconter des histoires, d'aller à des conférences, mais on ne résout pas le problème à l'échelle nécessaire. Maintenant, développement alternatif, donc mon entreprise, a commencé il y a quelques années à prendre les besoins de base des êtres humains, habitation, alimentation, vêtements, et puis surtout le travail. Parce qu'un travail, ça veut dire un revenu, et avec un revenu, vous pouvez prendre en charge vos besoins de base. Donc il y a quelques années, une dizaine d'années, nous avons essayer, grâce à la science et grâce aux innovations technologiques et en travaillant sur le marché, nous avons essayé d'apporter aux gens dans les villages ce dont les gens avaient besoin. Et ce n'est pas... Là, on ne parlait pas à des consommateurs, mais à des prosommateurs, c'est-à-dire des producteurs et des consommateurs qui ne faisaient plus qu'un. Donc notre boulot, elle consistait à créer des emplois pérennes, durables, environnementaux ou écologiques, en reconnaissant le fait que nous produisons plus de produits alimentaires que ce dont nous avons besoin et que le problème, c'est qu'il y a encore des gens qui ont faim. Et ça, c'est un problème d'accès, c'est simplement qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter ces produits alimentaires. Donc nous avons développé toutes sortes de technologies pour les logements, pour la réhabilitation des sols,
On a travaillé sur la micro-irrigation des sols, mais les technologies pour les emplois, comme le recyclage du papier, le recyclage des déchets industriels, toutes sortes de choses dont on a besoin. Et nous avons véritablement innové en matière de boulot low cost. Vous savez, nous ne fabriquons pas de maisons à partir de ciment ou de béton. Nous construisons en pisé, en boue. Et c'est une approche de la vie totalement différente. Et s'il y a une menace sur la production alimentaire en Inde, la question est surtout due à la détérioration des sols et au manque d'eau. Mais la fabrication du demi-million de maisons qui sont nécessaires aujourd'hui pour combler le fossé en Inde, ça va détruire une partie du sol. Et ça, c'est un problème, mais que personne ne voit venir. Nous ne prenons pas la partie superficielle du sol pour construire nos maisons. Donc c'est une question de gestion des ressources, de gestion des gens, et là encore, les communautés sont absolument essentielles dans tout ce dont nous venons de parler. Il faut avoir beaucoup d'énergie avec des gens capable de mobiliser cet esprit communautaire, cet esprit social. Et ça prend beaucoup de temps, des dizaines d'années. Et c'est pour ça que j'ai choisi le marché. Le marché vous permet de gérer nombre de ces problèmes et multiplie les choses très rapidement. Donc je vais vous demander des exemples, non pas en béton, mais en boue. Pouvez-vous nous en donner? Eh bien, d'après un gouvernement qui travaille avec nous, il dit que nous avons responsabilisé 6,6 millions de foyers. Alors, responsabiliser, c'est pas créer des emplois. Mais si l'on regarde ce qui a été fait, on est vraisemblablement à 3 millions d'emplois créés. Et donnez-nous en 30 secondes un exemple. Eh bien, mon exemple favori, préféré, c'est le produit qui ne fait absolument pas d'argent, qui n'a pas besoin d'une approche Robin des Bois. Il s'agit d'apprendre à lire et à écrire aux fans. Comment lire, leur apprendre à lire, écrire, compter, additionner, soustraire, multiplier. Et en 49 jours, c'est une formule magique qui fonctionne super bien. Ça coûte 100 dollars à mettre en place, sauf que ces femmes n'ont pas 100 dollars. Donc là, on a besoin de sponsors. Et s'il y a des personnes qui souhaitent parrainer des fans pour qu'elles puissent apprendre à lire, à écrire et à compter. Donc ça, c'était votre exemple d'une approche non Robin des Bois. Oui. Vous savez également pour les toits. On dit « j'ai besoin d'un toit au-dessus de ma tête ». Le toit, c'est le plus important dans une maison et c'est très, très difficile de faire un toit pas cher. Et en Inde, on a le toit le moins cher au monde et le marché se développe très, très vite et c'est tellement bien que même les gens des classes moyennes l'achètent. Et comment est-ce que fabriquer des toits, ça permet de mettre un terme à la faim? Si vous l'êtes un médecin de campagne et que vous dites la nourriture, c'est nécessaire pour lutter contre la faim, c'est un raisonnement simple. Mais si vous créez des emplois pour construire les toits, c'est une source de revenus, donc la possibilité de s'acheter à manger. Et puis, si vous avez une maison, vous pouvez mieux cuisiner, mieux conserver vos aliments, vous pouvez réduire le nombre de déchets. Et il y a plein d'autres choses et des enfants qui vivent dans une maison, en général, mangent mieux et digèrent mieux que ceux qui sont obligés de vivre dans la rue. Je veux m'assurer que vous vous rappelez bien du thème de cette séance. C'est quoi le thème, le slogan de cette séance? C'est la faute de Bunker. L'une des fautes de Bunker, c'est que Bunker veut changer le mode de protocole du Collège de France et qui est une institution qui a à peu près 600 ans. Et Bunker, vous voulez nous montrer un film. C'est un film qui dure 10 minutes.
Vous nous avez réalisé un film très provocant et Ismaël a dit que le risque de présenter un film, c'était ma responsabilité. Donc, je passe la balle maintenant à Bunker, mais j'aimerais un peu nuancer cela. Bunker est un entrepreneur social qui croit au succès. Il va commencer par nous montrer ce film de 10 minutes qui est assez provocant. Nous savons que la durée optimale d'une vidéo, c'est 3,5 minutes. C'est ce que nous ont appris les études de marketing sur Internet. Je vais donc demander au public, si vous pensez que le moment est venu d'arrêter le film, vous vous levez. Et si plus de la moitié du public se lève, eh bien, nous allons interrompre la vidéo et écouter Bunker. C'est pas Bunker ou pas Bunker, c'est juste sa forme d'expression. C'est une stratégie un petit peu marginale pour un peu bouleverser le protocole du Collège de France. Donc, si vous voulez que l'on ne regarde plus le film, eh bien, nous écouterons Bunker. Si la moitié, moins de la moitié d'entre vous se lève, vous aurez regardé le film jusqu'à la fin. Et en fait, cela montrera que Bunker avait raison en tant qu'entrepreneur social qui est quelqu'un qui accepte de prendre des risques pour que ses idées se concrétisent. Merci. Est-ce que vous pouvez lancer le film, s'il vous plaît? Bunker, personne ne s'est levé. Je ne sais pas si vous aviez réfléchi un petit peu après toutes ces questions sur les villages du millénaire et Dalai Lama. Je ne sais pas si vous aurez la possibilité de mener une carrière aux Nations Unies à New York, étant donné la critique que vous avez faite des villages du millénaire. Ça, c'est la première bonne nouvelle de la journée. Très brièvement, parce que on voudrait avoir les réactions dans la salle et des autres participants et intervenants. Je vais vous poser la même question que Ashok. Je trouve que ce programme est absolument fabuleux. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça a à voir dans l'éradication de la faim? J'aimerais que l'on puisse établir un lien. On a mené une étude en Tanzanie et on a trouvé que les ménages dépensaient beaucoup plus d'argent pour s'éclairer que pour se nourrir. Donc, si les dépenses mensuelles sur l'éclairage peuvent se réduire, il y aura plus d'argent pour se nourrir. C'est simple. L'étude de Tanzanie a été révélatrice parce que les montants économisés grâce à l'utilisation de l'énergie solaire étaient supérieurs aux revenus de l'agriculture. Donc, si on peut électrifier les villages africains par l'énergie solaire, au Malawi, par exemple, on nous a dit, pour la première fois, ils voyaient les serpents et les scorpions et les rats qui se baladaient dans la maison. Rien que ça, ça a amélioré les conditions de vie des Malawis. En Éthiopie, la première chose que ces femmes nous ont dit, c'est qu'elles ont donné ça aux matrones, aux sages-femmes traditionnelles, qui ont ainsi pu aider les femmes à accoucher, qui d'habitude accouchent avec des bougies et des chandelles. Donc, simplement par l'électrification grâce à l'énergie solaire, c'est aussi un outil de planning familial parce qu'il y a moins de bébés qui naissent. C'est cela a engendré beaucoup de fabuleux. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce que vous avez dit, c'est que les hommes ne pouvaient pas être formés, qu'il était impossible de les contrôler. J'aime bien cette idée de femme ingénieure. Et ensuite, est-ce qu'il va y avoir des belles-mères ingénieurs solaires aussi? Est-ce que je peux vous présenter ma belle-mère? Non, vous ne pouvez pas parce qu'elle est alphabétisée. Elle sait lire et écrire. Bon, j'espère que ma belle-mère ne me regarde pas. Alors, pour vérifier un petit peu dans la salle vos réactions, nous avons entendu quatre idées à la fois provocantes, innovantes. Est-ce qu'il y a des questions urgentes
urgente que vous aimeriez poser à nos intervenants, puisque on en est ici aux acteurs de terrain, aux goulots d'étranglement. Qu'est-ce qui entrave l'action concrète? Donc, si vous voulez revenir aussi sur la question des villages du millénaire, je pense que ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant que nous passions à une autre série de débats? Est-ce qu'il y a un micro à disposition? L'équipement que vous installez doit coûter de l'argent pour ces panneaux solaires. Alors, comment financez-vous cela? On a un super accord avec le gouvernement indien. Si je peux choisir une grand-mère n'importe où dans le monde, le gouvernement indien paye les billets d'avion et les 6 mois de séjour. J'ai ensuite des fondations, le programme de GFN, la fondation SCOL, des fondations privées interviennent pour le matériel. Et actuellement, je vais avoir un accord international avec UN Women. Et ils nous ont dit, si le gouvernement indien s'occupe du software, ensuite, nous, on s'occupe du matériel. Qu'en est-il des fabricants? Très difficile. Beaucoup d'entreprises ne comprennent pas le message et ne sont pas aussi progressistes. Elles ne voient pas les avantages qu'il y a à promouvoir cela. Je suis allée voir Maersk, le géant du transport à Copenhague, et je leur ai dit, pourquoi ne pas les mettre sur les conteneurs de Maersk? Et en plus, politiquement, ce sera extraordinaire pour vous. Ce que Bunker vient de dire s'oppose à ce que vous venez de dire en termes d'engagement des entreprises, etc. Il s'est adressé à des entreprises internationales qui n'ont pas répondu, mais il y a aussi des petites entreprises. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il est très difficile de s'adresser aux entreprises, alors que ça peut créer même de l'emploi dans le secteur privé, même informel? Le secteur privé, comme Yolanda l'a dit, représente tout un éventail d'entreprises, certaines entreprises qui sont très créatives, d'autres moins, très grandes, très petites. Pour ma part, je ne pense pas que les grandes entreprises internationales aient fait quoi que ce soit d'utile à la fois pour les pauvres et l'environnement. Mais qu'en est-il de l'Inde ou les pays à faible revenu? Les PME dont nous parlons, si c'est dans leur secteur, peut-être. Maintenant, s'il s'agit des prestataires de services dans les secteurs économiques principaux, ils ne s'intéressent pas tellement. Bunker offrait un certain positionnement à des grandes entreprises internationales. Et nous aussi, on a essayé, ça ne marche pas. Et les gouvernements non plus. Les agences internationales, ça ne les intéresse pas. Elles sont là pour protéger leurs intérêts, leurs clients. Ces clients sont complètement différents de nos clients. Mahmoud, on revient à vos propos. Vous disiez que vous avez un autre bon exemple. Terres arides, productivité agricole, abolition de la faim. Juste un point sur le premier exemple que je vous ai donné avec quelques produits à valeur ajoutée, les fromages, le yaourt. Et les agriculteurs, les fermiers apportent beaucoup de valeur ajoutée. Ce sont les femmes dans la communauté. Il y a un autre projet soutenu, que nous soutenons, sur les chèvres mohair en Afghanistan et en Iran, et où vous avez 600 personnes impliquées dans le programme. Et le revenu qu'elles dégagent, ces personnes, est absolument phénoménal. Maintenant, pour parler de l'agriculture en zone aride, on parle d'une intensification et d'une diversification durable et pérenne des systèmes de production. Et il faut que ce soit pérenne. Donc, il faut gérer tout ce qui est les entrants
et l'amélioration de la gestion des sols. Il faut mieux gérer tout ce qui est l'élevage. Et dans les zones arides, lorsque l'on parle de l'eau, et des puits qui sont des propriétés collectives, la technologie ne suffit pas. Il faut également avoir une politique en place, sinon on n'a aucun impact. Et vous avez des cas d'intensification. J'aimerais vous présenter l'un de ces cas sur les lentilles. Au cours de l'Éthiopie est exportatrice de tout ce qui est légumineuse, pois chiches, lentilles, plus que de café. Et nous avons, en octobre dernier, rendu visite à différents agriculteurs et la discussion entre le ministre de l'Agriculture et les agriculteurs était très intéressante. L'agriculteur disait, ça fait 2 ans, c'est la première fois que j'ai de l'argent à la banque. Et la question était pourquoi. C'était un producteur de lentilles qui faisait de très bonnes récoltes et il a répondu, eh bien, les lentilles ont augmenté, le prix a augmenté par 4, mais ma productivité a été multipliée par 6 au cours des dernières années. Et quand je fais pousser du blé après les lentilles, j'utilise 50% de l'engrais, de l'azote. Donc, c'est là que le ministre m'a dit, vous vous rendez compte, nous sommes maintenant exportateurs de lentilles dans des proportions plus grandes, dans des quantités plus grandes que de café. On exporte vers l'Inde et vers les pays arabes. C'est là l'un des exemples, l'Éthiopie, qui, entre 2001 et 2010, a augmenté sa production de lentilles partout dans le pays, de févrole de 40% et de pois chiches de 40%. Ce sont là des très, très bons exemples dont je voulais parler pour vous donner des exemples d'intensification des récoltes. Je souhaitais également insister sur l'importance du politique et du transfert technologique. En Éthiopie, on a maintenant des agences de développement et j'aimerais insister sur le point qui a été soulevé dans les sessions précédentes, car il y a un lien qui manque entre les technologies et le transfert. Nous pensons tous à l'extension comme étant l'agent pauvre. Il nous faut une approche plus globale, parce que maintenant, sur les téléphones portables, en langue locale, vous pouvez transférer beaucoup d'informations et de technologies. Et sur d'autres moyens mobiles, par la télé, l'ordinateur, etc. Donc, je pense que pour le processus de développement, pour qu'il y ait un continuum, il faut que tous les liens de la chaîne soient forts et opérationnels. Autrement, l'investissement dans la recherche est un gaspillage de ressources et d'argent. J'aimerais vous pousser sur un thème qui me semble important et faire quelques liens. Vous avez parlé des lentilles, des légumineuses, des haricots, des lentilles. Et je voulais faire le lien avec ce dont on parlait quand on parlait de famine silencieuse hier. Parce que quand on parle de nutrition des enfants pendant les 100 premiers jours de la vie, et quand Partha nous disait hier que quand la nutrition n'est pas bonne, c'est le cerveau qui souffre, et vous avez 200 millions d'enfants qui, à l'âge de 5 ans, ont des cerveaux qui ont trop souffert pour pouvoir se réparer, et c'est une manière de faire en sorte que le capital humain de ces pays reste complètement dans un état épouvantable, alors qu'on sait que les légumineuses sont très riches en vitamine A, vitamine E, zinc, fer. J'ai raison, non? Non, mais je pense que le problème, quand on parle des légumineuses, on parle de protéines. Ça contient de 25 à 38% en fonction de la variété et de la récolte. Mais elles ne contiennent pas beaucoup d'acides aminés ni de soufre. Mais elles sont riches en protéines et en lysine. Donc si vous combinez du pain ou une céréale
avec des légumineuses, vous compensez le faible niveau de lysine dans les céréales et le fort niveau d'acide aminé dans les céréales va compenser le faible niveau dans les légumineuses. Donc quand vous mangez un sandwich, vous avez un aliment parfaitement équilibré. Et les légumineuses sont connues pour être la viande du pauvre. C'était beaucoup moins cher par le passé. Maintenant, c'est un peu plus cher, mais dans la réalité, vous avez un équilibre alimentaire parfait lorsque vous combinez des légumineuses et des céréales. Et en Éthiopie, la tradition copte veut qu'il y ait un jeûne pendant près de 50% de l'année. Je dirais que sur 180 jours, le rite copte demande le jeûne. Donc, il jeûne 2 jours par semaine et pendant 2 mois, il jeûne totalement, ne mange aucun produit dérivé animal et ne dépend que des légumineuses. Et les lentilles ont une forte teneur en fer. Il y a des variétés qui sont très riches en fer, en zinc et en magnésium. Et vous avez maintenant des variétés qui sont riches en fer, mais l'enrichissement, comme on le fait avec le riz ici, vous ajoutez du riz aux lentilles, vous avez un régime alimentaire très équilibré. Ok, je suis heureux que vous en ayez parlé parce que vous parliez du régime alimentaire des adultes, mais vous n'avez pas parlé de cette période critique entre 0 et 6 ans. Où on a besoin d'apport en acides aminés. Je vois que Ingo veut prendre la parole et j'allais vous demander pourquoi est-ce que les producteurs de légumineuses en Éthiopie ne s'associent pas avec Ingo pour enrichir leurs légumineuses. Ingo, je vous passe la parole. Et ensuite, on va laisser ce sujet un petit peu technique, mais c'est quand même un exemple bien concret qui permet de combiner nutrition et agriculture. Moi, je vois un problème avec les lentilles et les légumineuses qui sont riches en phytase, qui détruit le fer. Donc il y a un risque de carence en fer. Donc il faudrait essayer de réduire la teneur en phytase. Donc vous n'avez pas beaucoup de vitamines A, zinc et fer biodisponibles dans les légumineuses. Donc ne serait-il pas intéressant que les Éthiopiens qui produisent tant de légumineuses et si bien discutent avec Ingo? Non, mais en fait, les légumineuses telles qu'elles sont consommées sont décortiquées. Donc, vous avez le cotylédon jaune et le cotylédon orange. Et la valeur ajoutée importante au travail, c'est justement le travail de décortication. Vous avez des variétés qui sont pauvres et effectivement, il va falloir travailler là-dessus pour accroître ou réduire les facteurs antinutritionnels qui sont présents. Ça, c'est évident. Très bien. Je voulais pousser là-dessus parce que ce que nous constatons, c'est qu'il y a des opportunités sur la table lorsque différentes personnes provenant de différents horizons travaillent ensemble sur les différentes facettes d'un problème.